السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. حساب اليوم نشوفه السويت في الابليكاسيون اكسس، كنا متينا فيها و cette fois on va travailler un peu la partie état. D'accord, donc les états de sortie, comment on peut imprimer des documents, des extraits à partir d'une base de données. Donc là, devant nous, on a un projet qui permet de lister, d'afficher l'ensemble de projets. Et cette application, à part visualiser le contenu de chaque film, par exemple, de chaque projet, vous pouvez aussi ajouter de nouveaux projets en cliquant sur ce bouton. D'accord ? On peut aussi sauvegarder les nouveaux projets, comme on peut décider entre les projets qui sont différents. Alors on va ajouter aujourd'hui le bouton imprimer, qui va nous permettre d'imprimer ce qu'on voit ici, les enregistrements qu'on voit. Ça va nous permettre d'imprimer la liste des films, par exemple. Donc, la première partie qu'on va faire, déjà, on va jeter un coup d'œil sur la structure du projet. Donc là, j'ai trois tables et un formulaire. Donc on peut ajouter d'autres formulaires. Par exemple, la table projet est reliée au formulaire projet. Je peux ajouter le formulaire ressources relié avec la table ressources et le formulaire tâche relié avec la table tâche. Alors cette fois, je vais me contenter de créer une liste des films qu'on voit ici. Donc, je vais essayer de créer cette liste en utilisant l'objet état. Alors pour faire cela, je dois passer par le menu créer. Alors je dois chercher ici groupe des contrôles état. Alors je vais demander à créer depuis l'assistant d'état, cette fois-là. Alors, il me demande de choisir la table. Je vais choisir, garder le choix projet. Là, j'ai les champs disponibles dans la table que je peux sélectionner. Alors, ce que je veux afficher dans le document qui va sortir, je vais garder le numéro, le nom, la description, la date. Budget, la durée, photo par exemple, et je fais suivant. Alors normalement, je peux travailler le formulaire avec un niveau de regroupement. Ça veut dire je peux grouper les projets par type, par exemple. C'est-à-dire, on va faire des longs métrages avec la liste de tous les longs métrages, les courts métrages, les documentaires, les clips, etc. Donc, je peux créer le groupe type si je souhaite, sinon je peux l'enlever facilement avec le bouton fléché qui est ici. Alors, par la suite, je peux appliquer un ordre, le tri. Alors là, pour l'orientation, je peux choisir entre portrait et paysage, ou entre, par exemple, des dispositions comme ici, log ou contour. Je garde, je laisse le choix par défaut. Donc le nom de mon état. Et je peux directement voir l'aperçu de ce que j'ai choisi en cliquant sur terminer. Alors, il m'affiche un document, vous voyez, c'est un document, c'est un aperçu, intitulé projet, qui contient alors, les champs que j'ai sélectionnés depuis l'assistant de création. Alors, je peux garder tel quel, sinon je peux ajuster certaines choses. Par exemple, ici, on voit que la largeur ne suffit pas pour afficher tous les champs. Alors, pour faire ce changement-là, je dois revenir en mode création
D'accord, donc je vais fermer l'aperçu ici avant l'impression. Et automatiquement, il va m'envoyer vers une autre création. Alors les champs qui sont là, donc ça c'est le nom, ça c'est le contenu. Le nom du champ, le contenu du champ. Alors je vais supprimer quelques champs, par exemple je vais supprimer le numéro du projet. Je peux sélectionner l'étiquette et le nom du champ en cliquant sur les deux, mais vous devez absolument appuyer sur la touche CTRL. Donc j'ai appuyé sur CTRL pour sélectionner les deux. Alors là, je peux dépasser un petit peu. D'accord, donc je supprime aussi le champ description. Quand je déplace le champ responsable. Alors, je vais garder que les champs qui sont essentiels. Là, on voit que la création se fait de manière qui est très, très simple. Je peux faire la même chose avec les champs date. Donc, les champs date, je vais l'élargir un petit peu. Vous voyez que ici, on ne voit pas très clairement le titre du champ, c'est-à-dire l'étiquette. Et je fais pareil avec le deuxième champ. D'accord, je n'ai qu'à élargir cette étiquette. Alors on a ici le budget et la durée dans le champ, donc je vais essayer de les espacer un petit peu. Le pied de page est formidable. Je peux ajuster petit à petit. Alors, pour ce qui est du titre de l'état, je peux ici, par exemple, écrire, changer le titre cinéma. Donc, pour appliquer des changements au niveau du couleur, pas de couleur en général, vous choisissez ici le format et, sélectionner sur les choix relatifs à votre thème et aussi je peux ajouter quelques images, par exemple l'image de la scène, le statut, la statuette Oscar de l'Académie. Pour ce qui est le choix de l'arrière-plan, etc., donc vous devez passer absolument par, par la fenêtre des propriétés. C'est-à-dire à chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous allez voir que à côté, il y a la fenêtre des propriétés. Donc on peut ici choisir sur les couleurs qu'on souhaite appliquer aux différents objets de notre hôte. Pour ce qui est du changement de la taille, donc on a parlé, on peut faire encore plus. Alors pour changer le format des dates, seulement on doit passer par la commande format située dans la fenêtre propriété. Alors on va choisir la date générale. Et on va essayer de revoir le test. Alors si vous avez toujours ces 10, tout simplement, ça veut dire que la largeur de la zone de texte ne suffit pas pour afficher le contenu. On va revenir dans mon création. Alors c'est bon pour la première date. Je vais déplacer. Et je vais élargir un petit peu le champ date et le champ budget. Je vais espacer un petit peu
Voyons voir. Je suis. Bien. Donc, je vais aussi ajouter une séparation entre l'entête et le tableau. Alors, à partir de la queue, toujours montrer une notion, je vais ajouter une ligne ici. D'accord. Alors, je vais ajouter une ligne. Alors, cette ligne, je veux qu'elle soit plus ou moins épaisse. Alors, je vais chercher ligne depuis le ruban création. Je vais tracer. Alors, je vais tracer une ligne ici. Voilà. Donc la ligne. On peut voir que elle va s'afficher. Bon, on peut ajuster un petit peu le type. Donc, aperçu. D'accord. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Donc, l'état a été enregistré, on le voit bien dans le groupe des objets état. Maintenant, on va essayer d'associer cet état, d'ajouter le bouton imprimer ici, à partir de notre formulaire. Alors, pour faire cela, on ouvre le formulaire en mode création. Tag, création. Encore une fois, le formulaire se trouve là. Voilà. On peut ajouter un bouton ici. Alors, j'ajoute le bouton comme ce qu'on a fait la dernière fois. Je clique sur bouton. Et je viens insérer, par exemple, à cette position-là. Alors, la catégorie d'action qu'on veut appliquer, c'est une opération sur état. Alors, je veux lancer une action qui est aperçue d'un état. Alors, il faut m'afficher les états que j'ai créés. J'ai un seul état actuellement. Je garde. Et je peux, bien sûr, pour le bouton, soit mettre le texte, par exemple, vous pouvez ici écrire imprimer, ou vous pouvez garder une de ces images pour le bouton. Terminer. Alors, je passe mon bouton ici. Et je vais faire un test d'exécution. On revient à l'affichage normal. Et je clique sur le bouton. Donc automatiquement, j'ai l'aperçu de mon état. Quand je refais, voilà, donc, j'ai l'aperçu de l'état que je peux imprimer, par exemple, que je peux envoyer ce format PDF ou par email, par exemple. Donc, c'était ça l'objet de notre séance. Comment créer des états à partir des données qui sont contenues dans des tables. Et comment ajouter des boutons d'impression dans vos formulaires. Alors, sur ce, je vous remercie. Et je vous souhaite bon fin de ramadan. Ainsi, vraiment.